J'admire beaucoup Oriana Fallaci, qui est une journaliste qui a écrit beaucoup de livres sur la femme pendant la Seconde Guerre mondiale. Une femme qui a remarqué non l'histoire de mon pays, mais c'est si l'histoire de ma vie, c'est ma mère. Parce que c'est grâce à ma mère que je suis ici et c'est pour elle que je vais à tout dire vraiment fort. J'ai admiré Umeko Tsuda, elle est la première étudiante étrangère au Japon. J'admire Franca Viola parce qu'elle a été la première femme à dénoncer et condamner son violeur. La femme que j'admire de mon pays, c'est Rita Levi Montalcini. C'est une femme qui a gagné pour la première fois les Nobel pour la médecine. C'est comme une femme qui a marqué notre histoire, c'est Policarpa Calavarrieta. La journée internationale pour les femmes, c'est un jour pour se rendre compte que peut-être les femmes sont souvent sous-estimées. Et il ne faut pas parce que les femmes, elles ont beaucoup de force et je pense que il faut trouver, je sais pas, une égalité dans notre société. Pour moi, la journée de la femme, c'est un jour où on doit nous rappeler qu'il y a encore des inégalités qu'on doit surmonter. Je pense que la fête des femmes est très importante parce qu'elle n'oublie pas toutes les choses que les femmes ont fait avant. Et la journée de la femme, c'est une journée importante pour ne pas oublier que la femme est très forte et intelligente, mais je pense que la journée de la femme doit être tous les jours. Les femmes sont intelligentes. Les femmes sont fortes. Les femmes sont égales aux hommes. Les femmes, selon moi, sont très intelligentes. Les femmes sont indestructibles. Les femmes sont fortes. Les femmes sont géniales.